Les entrailles de ce massif forestier cachent un potentiel minier cher au Cameroun et à la zone Afrique centrale. Étalée sur près de 110 km², la région de l'Est compte plus de 850 000 habitants et une population de réfugiés estimée à plus de 94 000 âmes. Le pouvoir d'achat des populations est très faible. Cela est dû à la pauvreté, avec pour conséquence une sous-alimentation grave. En matière de vaccination, 12 parents sur 100 ne sont pas informés de la tenue des campagnes. La tendance s'aggrave avec l'affluence des réfugiés centrafricains. À la temps que nous sommes en RCA, les comprimés, là, on va payer à 5 000, 10 000. Et maintenant, on a eu ça pour rien. Le carnet, tu ne payes pas. La vaccination, tu ne payes pas pour notre vie. C'est ça qu'on pour vacciner. L'insécurité aussi plane sur les districts de santé des zones enclavées. Ici, les cas de refus de se vacciner sont liés à des croyances religieuses et culturelles. Malgré ces pesanteurs, l'État a multiplié les campagnes de riposte avec l'implication des autorités administratives et des radios communautaires pour la sensibilisation et le plaidoyer auprès des chefs de communautés musulmanes dans les sites de réfugiés sur les campagnes contre la poliomyélite et la vaccination de routine. Le gouvernement de la République tient à la santé de sa jeunesse. Nous avons été confrontés à un poliovirus sauvage il y a quelques années déjà dans la région de l'Est. Cette fois-ci, nous avons tenu nous-mêmes à être témoins de cette opération que mène le ministère de la Santé et les partenaires. Nous encourageons tous les parents, tous les mamans à faire vacciner leurs enfants, n'est-ce pas, de 0 à 5 ans, pour que nous n'ayons plus l'ombre, n'est-ce pas, de cette pandémie au niveau de notre région et partant au niveau du Cameroun. Ce n'est qu'un exercice citoyen pour que nous n'ayons plus à vivre ces situations malheureuses. La riposte organisée par les pouvoirs publics et ses partenaires au développement, parmi lesquels l'UNICEF, a consisté à vacciner systématiquement tous les enfants âgés de 0 à 5 ans, même dans les coins les plus reculés de la région, malgré les réticences sociologiques. Nous avons mené plusieurs tours de campagne de vaccination contre la poliomyélite. Et là, c'était des campagnes de vaccination de qualité. C'est-à-dire qu'il s'agissait pour nous d'atteindre tous les enfants cibles, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. À côté de ça, il y a eu le renforcement de la surveillance active, de la surveillance des maladies cibles du programme élargi de vaccination. Il y a des formations en cascade qui ont été organisées, dont du personnel de santé, des acteurs communautaires, des praticiens et les relais communautaires. Au bout du compte, la riposte de l'État et de ses partenaires a réussi à mobiliser aussi bien les populations qui ont entièrement adhéré que les personnels sanitaires dont le dévouement à la tâche a été à la hauteur de la riposte contre la polio. Le Cameroun est un pays hospitalier. Dès que les Centrafricains sont venus, les réfugiés, nous les avons accueillis à bras ouverts. Et c'est bien que même le cas de vaccination, eux aussi, ils sont vaccinés au même moment que les autochtones. Parmi ces réfugiés, un qui a accepté et choisi de jouer le rôle de mobilisateur social est très bien conscient de la responsabilité qui est la sienne désormais. Pour la polio et toutes les choses qui sont en train de passer, tous les malades qui sont dans le site, je travaille, j'ai appelé les parents, j'ai dit, quand vous voyez les enfants, il n'est pas vacciné, vous me dites, c'est moi qui ai chargé sur tous les aînés dans le site
et c'est moi que je connais doit la manière que je dois faire pour lui amener à niveau de vaccination. Les parents, eux aussi, ont un grand rôle à jouer. On met la vaccination au rabais man. Comme il capte pas ma, il croit am goroko de boda comme il donne des mandéroura. On met la manque de vaccination. Carnet mais pas non. Comme il dit, il a vaccination au bon moment vacciné parce que on gamine n'a fou d'aman min. Tomi ano n'a fou jamais et on a tamo varhu. Avoir un vaccin à bingel, mais on gamgel he pas kangel bo jangongel latongel jamit. Quand tu vaccination don, hein, quand kala nyau on a taha pandu bingel ma. Les chefs de communauté ont aussi été appelés à la rescousse. Pour lui, on voit des bacs de bodum. J'en ai que mes infirmiers, mes warido, puis que don doja, n'y a faire un de ma commune bien chez neve, ou ta bande de bicoy. Pas j'en ai voir des bacs de don tout fa bicoy, don hoca leki de pas jinni. J'en ai pilio ma jinni. A ma besda, j'en ai fouada, pilio don nafan, nafan bicoy. Nano laro ya ke ferme min wordu de biku de pat e don dojja biku ma pat e don nyaaw jonta nyaaw may timmi amma jonta futo onun waddeni min tiida min biya kan ordon kala blok fu biku ma ko ya ke bakshe to worido wara min hokkat fa do kugala min do bana jonta asebe do min fojiri do bingi do wori beche min wadda renio kala asebe fu min wadda renio do laare do pat imbe do bawam do pat ordon imbe blok min dawra kanga men do wonde do huwa nafa wonde do huwa nafa don dawri no orda ma yaabe ci min ron ya min do to yak bakshe woddi do biko do pat wurta ya baksha to baktini hala min walle gumnati min walle banda min fu biko min ni heban yambita ni on ron ya min ni do wadda banni. Dans cette bataille, les tradis praticiens n'ont pas été oubliés. Nous sommes en collaboration avec le ministère des Anciens, ça fait des années. Nous travaillons ensemble. Le délégué nous convoque. Bon, on a une petite réunion. Et après ça, maintenant, moi, je reviens. Étant président des tradis praticiens de l'Est, j'appelle tous les tradis praticiens. Je fais les réunions avec eux. Je leur dis, voilà une maladie qui est là. Cette maladie, si vous le voyez, en langue foufoulée, on appelle ça... on appelle ça quelque chose comme par exemple Garça. Mais ce n'est pas du tout Garça. Cette maladie dépasse Garça. Dès que vous avez ces maladies, vous avez un enfant qui se promène très bien. Dans les 2-3 jours, après vous voyez qu'un enfant, le pied ne marche pas, la main ne marche pas. Il n'y a pas un tradit praticien qui doit guérir ça, amener un enfant directement à l'hôpital. Cette lutte contre la polio, les tradis praticiens de l'Est ont beaucoup travaillé. Moi, j'attendais une lettre de félicitations. C'est ça que nous, on attendait parce que l'Est a beaucoup travaillé. Seulement, de nombreux districts sanitaires sont enclavés. Aussi, la distance entre certains aires de santé et leurs districts est grande. En définitive, les actions menées par l'État ont largement contribué à l'objectif 12 mois sans polio au Cameroun dans la région de l'Est. Des efforts restent à faire et nous sommes conscients que nous avons encore à travailler. Actuellement, nous mettons un peu plus d'accent sur le renforcement de la vaccination de routine et des activités dans ce sens ont été planifiées. Déjà, dans un avenir très proche, le personnel sera encore formé à la planification suivant l'approche atteindre chaque district. Également formé à la gestion du programme élargi de vaccination à tous les niveaux, la gestion du niveau moyen, la gestion du niveau le plus opérationnel par les prestataires, donc les chefs de centre de santé, les infirmiers qui s'occupent de la vaccination.